Vous vendez quoi, au juste? Tout. Je vends tout. Mais pourquoi vous vendez tout? Mais parce que, mon petit, parce que... Combien pour ce bureau? 20 euros. Mon arrière-grand-père l'avait acheté en 1920 au baron de Malvais. Vous allez bien, madame Darling? Non, mais c'est gentil de demander. C'est ma grand-mère. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi t'as tout sorti? C'est mon dernier jour. Ton dernier jour de quoi? De ma vie, ma chérie. De ma vie. Il faut absolument que tu l'arrêtes. Cette maison, c'est une œuvre. Je veux pas de sa maison. Je veux rien d'elle, merde! Tu l'aimais plus? Ta bague? Ah, touche pas à ça. Je croyais qu'elle était pour moi. Je l'ai jamais eu, ta bague. Tu le saurais si t'avais au moins pris la peine de lire mes lettres. Elle ment comme elle respire. Faut que je bouge. J'en peux plus, moi, d'être ici. Le vide-grenier est officiellement fermé, alors vous dégagez, s'il vous plaît. Monsieur, vous posez ça. Alors? Heureusement que t'es là pour me dire quand je débloque. Hein. Tu vas pas faire de bêtises. Si j'avais dû faire une bêtise, je l'aurais fait il y a longtemps. Elle te parle de moi, parfois? Pas beaucoup. Bah, dis-moi, comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce que je suis grand-mère? Elle était bonne, mon idée, hein? Comme ça, t'es revenue. Peut-être est-ce le moment, avec le temps qui passe, on éprouve souvent le besoin de faire un ménage intérieur. Oh non, non, je vous en prie, non. Gardez votre petit laïus pour vos petites vieilles.